Mon dernier livre se passe à Mulhouse. On est en 1969. Juliette, euh, qui est élevée dans un milieu bourgeois, euh, passe ses vacances donc chez ses grands-parents, et là, elle retrouve sa cousine, très délurée, et elle tombe amoureuse de Patrice. Et de là, petit à petit, vont se passer des mutations chez elle. Elle va devenir très rebelle. Elle va euh, vouloir conquérir sa liberté et euh, être à la fois hippie gauchiste, mêlé aux manifestations et aux mouvements de l'époque post-68-Arde. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'une génération, une génération qui aspirait à beaucoup d'idéaux, et c'est aussi la fin des illusions, puisqu'à la fin du roman, Juliette va se renfermer et perdra un peu ses illusions. Je me suis servi de mon journal, je tiens mon journal depuis que j'ai 12 ans. J'ai plein de petits cahiers et je me suis servi de ces cahiers qui sont une mine d'or où je notais tout, les films que je voyais, la musique euh, et tout ce que je vivais. Et donc euh, ça fait un roman très riche parce qu'on retrouve toutes les trames de l'époque, la couleur orange, euh, et la pop musique. Euh, bon, voilà, on est dans, ce, dans cette vie de Mulhouse qui était... Euh, Très, très dense, avec euh, les états d'âme d'une jeune fille romantique, d'une jeune fille qui, euh, qui est un peu fragile. Et quand je relis ce journal, je me dis Oui, oui, j'étais pas très sûre d'un moi, mais j'ai pas tellement changé finalement. <laughs> je suis encore comme cette jeune fille, euh, aussi euh, un peu naïve et euh, bon, avec euh, ses envies de changement. Elle se remettait beaucoup en question. Donc voilà, c'est comment je me suis heurtée aux parents. Donc je comprends mieux les jeunes qui ont aussi cette période-là. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce roman incarne une époque, une génération. Et c'était un mouvement très poétique, finalement, ces mouvements, euh, cette période après mai 68. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on, on peut en prendre de la graine et retrouver. Euh, des forces de vie, des envies de se battre pour la justice, parce qu'on est sincère à cette époque, on y croit à fond. Vous vous replongez, vous avez retrouvé en vous-même des images, des sensations que vous avez vécues, puis vous réinventez, vous recréez le passé. Et ça, c'est un travail qui m'intéresse énormément. Cette possibilité de non pas être nostalgique, mais de le revivre vraiment, de retrouver vraiment les. Quand je parle de certaines sensations, comme le goût du. du... Du Kuglopf euh, alsacien ou alors euh, de ce vacherin qui était chez mes grands-parents, les odeurs de la ferme, je, je les ai vraiment et j'essaye de restituer vraiment euh, les instants plutôt que de faire un récit trop narratif. J'aime beaucoup mêler le tragique et le comique, ça m'intéresse beaucoup. Justement, je trouve que dans les moments les plus durs de l'adolescence, qui est un moment où on passe de crises d'angoisse épouvantables et de rébellions épouvantables, à des moments d'enthousiasme de, fou. Tout est excessif à ce moment-là. Et je crois qu'on retrouve cet esprit-là dans ce roman. Je pense qu'un livre comme ça, c'est effectivement euh, un roman euh, qui, qui certainement euh, peut faire du bien, mais ce n'est pas mon objectif. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, moi je suis très confiante face à la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont très différents. Il y a, beaucoup, il y a pas mal de solitude, mais pas tant que ça. Il y a d'autres centres d'intérêt. Il y a peut-être moins d'engagement. Il y a peut-être moins de conscience sociale qu'il y avait à notre époque, mais surgissent d'autres pensées à Nuit Debout, d'autres modes de, de communication, de rassemblement qui sont tout aussi formidables.